Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester deux fonds de teint. Donc ça va être une battle. Je vais mettre sur la moitié de mon visage un fond de teint, donc qui va être celui de chez Clarins. Donc en fait c'est carrément une bébé crème, en gros Skin Detox Fluid SPF 25. Donc c'est un produit assez connu, assez populaire sur les réseaux en ce moment. J'ai la teinte 00 fer. J'ai vraiment juste hâte de tester ce fond de teint, donc que je vais appliquer sur la partie gauche de mon visage. Et sur la partie droite de mon visage, je vais appliquer la CC crème anti-imperfection de chez Neutrogena que j'ai eu dans la Beautiful Box de Femina. Donc, je vous avais posté une photo sur mon Instagram de cette box qui était vraiment trop chou sous le thème hippie. Couvre instantanément les imperfections et les marques résiduelles tout en aidant à les corriger. Donc il n'y a pas de SPF à l'intérieur. Deux sont censés bien couvrir. Donc je vais appliquer les deux avec mon Beauty Blender. J'ai la peau nue, hein. Bien sûr je n'ai rien sur la peau, aucune matière. Donc on va tester ça va être la grande battle qui va être la meilleure, en sachant que ce n'est pas le même prix. Donc le fond de teint Clarins se présente comme ceci, donc il est hyper gros. Il y a 45 ml de fond de teint, ce qui est une grande contenance par rapport aux autres fonds de teint. Je crois que c'est 30 ml les autres. J'espère que ça va être la bonne teinte, je vais l'appliquer sur ma main. Faut pas que j'en mette trop, j'avais oublié, mais j'ai juste la moitié de mon visage à faire. Je commence par le centre du visage. Elle sent vachement bon. J'ai vraiment envie que ça couvre mes cernes, parce que j'ai des cernes plutôt imposantes et ma foi ça couvre plutôt pas mal. Mais il est peut-être un petit peu foncé encore. Après moi c'est vraiment chiant de trouver ma teinte en sachant que j'ai le visage plus foncé que le reste de mon corps. C'est pas forcément évident. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint sur la partie gauche de mon visage. Ouais, je le trouve vraiment glowy, naturel, on voit la peau à travers, la peau elle respire. Il n'y a presque pas besoin de poudrer. Après moi je suis une fille qui poudre tout le temps parce que j'ai la sensation après que à peine je vais faire ça, il va y avoir une empreinte, enfin bref. Si vous n'aimez pas mettre de la poudre ou quoi, si ça vous assèche le visage ou quoi, sachez que ce fond de teint, il n'y en a pas, enfin il n'y en a pas besoin, ça fait un effet frais, mais pas du tout collant. J'espère que la CC crème donc de chez Neutrogena va être à la hauteur, parce que là... la barre est haute. J'ai la teinte claire. C'est mieux. Je sais pas s'il y a plein de teintes ou pas. Là, je sais que pour ce produit-là, il y a seulement 4 teintes. Donc, c'est assez limité. Elle se présente comme ceci. Il y a 50 ml, donc encore plus que l'autre. Par contre, je trouve qu'elle... enfin, je sais pas trop, mais elle couvre pas beaucoup. Par rapport à l'autre, la couvrance, elle est plus légère. En remettre. Et voilà, j'ai appliqué donc la CC crème anti-imperfection de Neutrogena sur la partie droite de mon visage. Donc voilà la différence. Je la trouve plus claire, un petit peu plus à ma teinte finalement que celle de chez Clarins. Celle de chez Clarins c'est un petit peu foncé. Celle de chez Neutrogena est plus naturelle, je trouve. Il y a moins de couvrance pour la Neutrogena, je trouve aussi. On voit plus la peau à travers. Je vois mon duvet et je pense que c'est une CC crème qui marque les zones de sécheresse si vous avez la peau sèche. Je trouve quand même que pour son prix, je vous mettrai les liens et les prix en barre d'infos de chacun des produits. Mais en tout cas, je sais que c'est moins cher que le produit Clarins et je trouve que pour son prix, c'est vraiment un très très bon produit. En fait, j'aime les deux. C'est super, une battle, t'es obligée de choisir, Garance. J'ai fait mon choix sur... quel fond de teint je préfère entre celui de chez Neutrogena et celui de chez Clarins, enfin la bébé crème ou la CC crème, parce que c'est pas des fonds de teint. Et celle qui remporte cette battle, c'est celle de chez Neutrogena. Parce que je la trouve beaucoup plus naturelle, adaptée à ma carnation et d'un excellent rapport qualité-prix. Et je voulais vous dire qu'en ce moment je poudre mon visage en fait très légèrement parce que j'aime... j'aime bien poudrer mon visage, fixer mon visage, mais j'ai plus vraiment de poudre et je cherche une poudre naturelle mais compacte et ça j'ai trop du mal à trouver. Donc en ce moment je teste donc la poudre Bonne Mine de chez Givenchy que j'ai en teinte 2 douce saison. Donc c'est éclat longue tenue, zéro effet matière, donc c'est une poudre un peu style bronzer. Donc elle se présente comme ceci en fait. Donc, je prends un peu de produit avec mon pinceau comme ça et je viens en mettre voilà, un petit peu n'importe comment. Juste pour réchauffer mon teint, pour poudrer un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de matière et puis savoir que mon teint va être fixe. J'aime beaucoup ce petit produit, je pense que cet été je porterai
pas de fond de teint et je mettrai juste cette petite poudre pour avoir un effet bonne mine. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en bas d'info. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.